Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Mishmat Amram Yona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Nissim Ben Aouda, Sol, Vani, Shirsi Lofat, Ruth Bat Clotin Traina, et Efat Mayan Bat Labtor Shah Rul Israël, si vous souhaitez aussi d'aider la prochaine étude de Mishmat Protected 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Eluyot, Perek Dalet, Mishnah Yudbet, Adam Shehu Natun Tachat Asedak, Bet Shamay Omrim, Eno Vieta Touma, Nubet Hillel Omrim, Adam Chalulu, Vatsad Elion Mevi et Hatouma. Une Mishnah qui nous projette dans Masechet Ohalot le grand principe, comment le mort communique-t-il l'impureté aux autres éléments, aux aliments, aux personnes, aux gens, avec le grand principe de Ohel. Ohel, ça veut dire qu'il fait un toit, qu'il abrite sous un même toit. C'est-à-dire, si le mort se trouve, on l'a déjà évoqué déjà plusieurs fois déjà depuis cette Masechet même, si le mort se trouve sous un même Ohel, sous un même toit qui abrite quelque chose de pur, et le mort donc, alors il communique la Touma. Principe simple, si un mort, on avait déjà évoqué le principe des Kohanim, comment font-ils pour entrer dans les hôpitaux, c'est assez complexe. Ils peuvent entrer que selon, d'accord, en Israël, dans les bons hôpitaux, on prévient les Kohanim, est-ce qu'ils ont le droit de rentrer, ou en ce moment ils doivent pas rentrer parce qu'il y a un mort, parce que, tout simplement, le principe est simple, dès qu'il y a un mort sous un toit, tant que même si ça fait plusieurs hectares et même si c'est un binyan entier, un immeuble entier de plusieurs étages, mais que tout communique, il n'y a pas un seul endroit, une porte fermée, pour fermer et clôturer, dire que le mort il est sous cet abri et pas sous l'autre abri, tout l'hôpital est considéré comme un seul abri, et de ce fait, même si c'est au 10e étage, celui qui entre dans l'entrée du rez-de-chaussée, il devient lui aussi impur. D'accord? C'est le principe de OL, se retrouver sous un même abri. On va à présent mettre le zoom sur un cas particulier. On n'a qu'à traduire directement. Adam Shehu Natun Tachat Asedak. Un homme qui se trouve sous un Sedak, sous une fissure. Alors, d'abord, on va expliquer c'est quoi le principe de la fissure. Et après, on va expliquer la particularité de l'homme qui s'y trouve. Il y a, on parle, comme le Bartano a dit, on parle d'une arsadra. Une arsadra, c'est une sorte de pièce ouverte des deux côtés, on va dire. D'accord, prenez le cas. Il y a de quoi préciser et entrer dans plus de détails, mais ça va trop alourdir le chiour, je préfère le dire de manière simple. Imaginons, on a une pièce, voilà, là je suis dans une chambre en ce moment, où il y a deux portes distinctes, une pour sortir de ce côté, une pour sortir de l'autre côté, et puis en plein milieu, il y a une fissure assez large, d'accord? Une fissure, je ne connais pas la quantité d'abord, imaginez une fissure de 30 cm qui font moins 3 tfachim, donc c'est clair, c'est considéré qu'il y a ici deux parties distinctes. Une partie du toit est tombée, il y a une bande qui est tombée. S'il y a un mort qui se trouve dans une pièce, l'impureté n'est pas communiquée si le mort se trouve dans une première moitié de pièce, l'impureté n'est pas communiquée dans la deuxième partie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus un seul toit qui relie, un seul toit qui abrite le mort et les personnes qui se trouvent dans l'autre moitié de la pièce. Il y a ici une interruption, ça fait Khatitsa, il y a ici deux toits distincts. D'accord? Le mort il est à gauche, les personnes, ils sont à droite, et ils ne sont pas sous un même toit, sous un même abri. Principe, pour le moment, tout va bien. Maintenant, je vais prendre une chaise, et je la mets au milieu. La chaise, le siège de la chaise, fait déjà 50 cm. D'accord? Donc je le mets au milieu. Il s'avère que maintenant, le mort communique son impureté dans la deuxième partie. Pour quelle raison? Puisque la chaise fait, elle aussi, c'est aussi une sorte de toit, c'est-à-dire qui abrite. Ouais, sous une chaise, on peut mettre dedans en dessous des chaussures, peu importe. C'est quelque chose qui abrite. C'est chaloul, ce qu'on appelle. Il y a un espace vide. Donc, maintenant, il s'avère que la chaise elle-même, c'est un ohel. C'est un toit qui abrite. Imaginez qu'il y avait un petit bout de mort d'abord sous la chaise. Et à côté, il y avait une pomme. Et bien, la pomme, elle est devenue impure parce qu'elle est sous un même toit que le siège de la chaise. Et bien, cette chaise-là, si je la mets au milieu, entre les deux moitiés de la pièce donc, qui sont séparées par cette fente, il va s'avérer que maintenant, sous la chaise va pouvoir continuer le premier ohel. Elle va relier le premier abri de la pièce, va maintenant faire une seule entité avec sous la chaise, et va donc communiquer l'impureté dans la deuxième partie de pièce. Voilà le principe pour le moment, un principe admis de tout le monde. D'accord? Maintenant, dans notre méchant, on va voir le cas particulier. Si, au lieu d'avoir une chaise, on va avoir un homme couché à cet endroit-là.
et on va lire et traduire. D'abord, Bet Shammai, ça va être facile, et la complexité, elle va se trouver dans Bet Hillel, on va l'expliquer, Bezrat Hashem, tout va aller. Adam Shiunatun Tachat Asedek. Un homme qui se trouve sous le Sedek, sous la fente. D'accord ? La fente, on a dit une fente, par exemple, de 30 cm, et il y a un homme qui est couché exactement sous la fente. Bet Shammai Omrim, Enom Viatatuma. Bet Shammai va nous dire, eh bien, l'homme ne va pas contribuer à communiquer l'impureté d'une demi-pièce, de la demi-pièce de gauche à la demi-pièce de droite, étant donné que l'homme, apparemment, logiquement, c'est pas un ohel, il ne fait pas, c'est pas un abri, un homme, d'accord ? Un homme, il n'est pas, on ne peut pas lui mettre dedans, c'est-à-dire, d'accord ? Il ne forme pas un abri, on ne peut pas mettre des choses sous un homme, même s'il est couché, apparemment, tout va, c'est logique. C'est comme si j'avais pris une grosse caisse de fruits et que je l'ai posée. Alors les fruits ils vont devenir impurs, mais en tout cas, il n'y a pas ici un ohel, un abri. Eh bien, Bet Hillel va nous dire qu'il y a oui un homme, un abri. L'homme forme un abri. Pourquoi ? Ou Bet Hillel Omrim et Bet Hillel nous disent Adam Chaloul Hu. L'homme a une. Littéralement, le mot Chaloul, c'est-à-dire qu'il forme une cavité. C'est-à-dire, j'ai ici, sous mon thorax, j'ai ici des os, et en dessous, les os, il y a toutes sortes de membres et d'éléments qui font qu'en réalité, ça forme un abri. Supposons que par exemple, si je suis couché, eh ben, il s'avère que maintenant j'ai un abri qui est les os de mes. Je sais pas comment dire, mon thorax, mes côtes, je sais pas comment, les côtes derrière. En tout cas, j'ai mes os ici qui forment eux-mêmes, qui abritent tous les membres internes qui sont sous ce thorax. Donc il s'avère que ça forme un abri. Et de ce fait, l'impureté est communiquée d'une partie de la pièce en passant par cet abri, donc ils vont me rendre impur. Moi-même, je deviens un Ohel, je deviens aussi moi aussi un abri, une tente, et de ce fait, je relis l'autre moitié de la pièce, tel la vie de Bet Hillel, on fait ça dans les mots, ou Bet Hillel Omrim, Adam Chaloul Hu. L'homme est composé aussi d'une grande cavité Chaloul. Quelque chose de Chaloul, c'est quelque chose qui forme un espace vide. Donc l'homme a un espace vide, même s'il est rempli par des membres, ça fait d'ailleurs l'objet de quelques petites complexités dans les Mefarshim, mais en tout cas on a déjà compris le principe. Ve'atzad ha'elyon mevi et atuma. L'homme il est considéré donc comme s'il avait une grande cavité vide à l'intérieur de lui, et de ce fait, le tzad ha'elyon, la face externe, donc les os ici, les pectoraux, c'est les muscles. Bref, on s'est compris. Alors, Mevi et Atuma, ça fait communiquer la Touma. On a fini cette Mishnah. Étant donné que les prochaines Mishnah vont être très longues, je me suis dit qu'on va quand même commencer vite fait. On va consacrer peut-être 2-3 minutes pour commencer le début de la première Mishnah du prochain Perek, histoire d'aller ensuite le prochain cours. Rabbi Oda Omer, Shisha Dvarim, Mekole Bet Shammai, Umefumre Bet Hillel. Petite introduction. Dans tout le Perek d'Alet, on avait toutes les discussions entre Bet Shammai et Bet Hillel, dans lesquelles Bet Shammai se trouvait plus permissif que Bet Hillel. On les avait toutes réunies, il y en a d'autres en chasse, certes. En tout cas, on en a rapporté une grosse quantité, on a vu plein de discussions. À présent, dans ce Pérec, on va découvrir les discussions entre Bet Shammai et Bet Hillel, mais qui ne sont pas forcément admises, approuvées de tout le monde, mais qui ont été rapportées au nom de personnes individuelles, au nom de Tanaïm individuels, qui nous ont enseigné qu'il y avait une discussion sur ça, Bet Shammai ou Bet Hillel. Donc en fait, on continue sur le même principe, en découvrant des discussions de Bet Shammai qui va être plus mekel, plus permissive que Bet Hillel. Avec la première discussion d'abord, Rabbi Yehuda Omer, Shisha Dvarim, Mekule Bet Shammai, Mechumre Bet Hillel. Rabbi Yehuda nous dit, 6 choses, bêtes, dans 6 discussions, encore supplémentaires, on retrouve que Mekule Bet Shammai, Bet Shammai sont plus cal, mekel, cool, c'est le même mot, plus light, plus permissif, ou Mechumre Bet Hillel, et Bet Hillel sont plus mahmirim. Première discussion, Dam Nevelot. Bet Shammai Metaharin ou Bet Hillel Metamin. Une Nevela, c'est un animal qui a été tué sans Shrita. On n'a pas fait une Shrita, on l'a tué en lui mettant un coup sur la tête, ou bien même on a fait une Shrita qui s'est mal passée, on est parti de travers, donc on a tué l'animal. Cet animal-là, c'est ce qu'on appelle donc une Nevela. À la différence d'une Trefa, c'est encore autre chose, on en parlera dans la deuxième partie de la Mishnah, dans la suite, le deuxième cas de la Mishnah. Donc une Nevela, c'était un animal qui était entièrement cachère, qui n'avait aucun problème. Ce qui se passe, c'est qu'au moment de faire la Shrita, par exemple, on a foiré le goût, on a dévié, on a mal coupé les deux simanim, la trachartère, le... Et maintenant, la Torah a fixé une impureté particulière sur la Nevela. La Nevela, ça impurifie. Si je le touche, je deviens impur. Qu'est-ce qui se passe pour le sang de la Nevela? S'il y a du sang qui coule, est-ce que le sang est considéré comme aussi de la chair de l'animal?
La Torah m'a dit, Bessao, c'est sa chair qui va rendre impur. Et son sang va-t-il rendre impur? Il y a sur cela une discussion. Bet Shammai nous dit que le sang, Dam Nevelot, donc le sang de la Nevela, Bet Shammai Metaharim. Bet Shammai considère que le sang n'est pas la chair. La chair, la Torah l'a rendu impur. Le sang, la Torah ne l'a pas rendu impur. Ou Bet Hillel Metamin, tandis que Bet Hillel le rend impur, il le considère comme impur. Il y a ici, j'ai vu une petite aga du Rachash qui prouve qu'il ne s'agit que d'une impureté Midé Rabbanan. D'accord? En fait, ça vient du Ravad. Le Ravad a écrit une expérience, un pirouche sur le Maseret Edouyot, qui est imprimé dans le Chasse Vilna. Là-bas, il y a le Rambam et le Ravad. Le Ravad prouve qu'on parle en réalité d'une impureté qui n'est que Midé Rabbanan. Ok? Donc, première discussion, est-ce que ce n'est que la chair qui rend impur, ou même le sang, est-ce qu'il y a une xéra sur le sang qui rend impur la Nevela? On continue la suite de la Mishnah. Beitzat ha-Nevela. L'œuf de la Nevela. Donc on parle d'un œuf d'une nevela. On continue avec la nevela, donc c'était un poulet, une poule qui était parfaitement en bonne santé, pure, que je pouvais égorger et manger. Ce qui se passe, c'est qu'en l'égorgeant, on a raté la shrita, donc elle est devenue nevela. Lorsqu'on l'égorge, donc maintenant elle est asura, on lui ouvre le ventre, et puis on découvre là-bas qu'il y avait un œuf. Est-ce qu'on a le droit de manger cet œuf? Eh bien, Bet Shammai va nous dire, « Im yesh kayot seba nimkeret bashuk » Si l'œuf, il est assez formé, il a une coquille assez dure, au point où on pourrait prendre un même œuf qu'on trouve dans le marché, qu'on est capable de le vendre en tant qu'œuf. Donc en fait, Bet Shammai va nous dire, « Muteret » On aura le droit de manger cet œuf. Étant donné que l'œuf, il a atteint une grande maturité, au point d'avoir une coquille assez ferme, de manière à ce qu'on pourrait le vendre, c'est-à-dire s'il avait été pondu avec cette coquille un peu mollasse, on aurait quand même pu la vendre au marché, les gens ils n'auraient pas dit c'est quoi cet œuf tout bizarre, ils l'auraient pris, ça va, il a une coquille un peu plus molle, mais tant bien que mal, ça s'appelle une coquille, donc c'est considéré comme un œuf déjà formé, de ce fait, il est devenu une partie distincte de sa mère. Si la mère, elle est interdite à consommer, l'œuf, il est permis à être consommé, même si je l'ai trouvé dans le ventre de la mère, parce que c'est plus de la chair de la mère. Tandis que, Ve'im lav, par contre, si un tel œuf, il a encore une coquille trop molle, trop transparente, d'accord, qu'on ne trouve pas de tels œufs au marché, on ne vend pas des œufs en tant qu'œuf au marché, donc de ce fait, il n'a pas fini d'être formé, il est considéré encore comme une partie intégrante de sa mère, et puisque la mère, elle est interdite à la consommation, même son œuf est interdit à la consommation. Donc Ve'im lav, et sinon, donc, si sa coquille, elle est trop molle, transparente, elle n'est pas encore formée, alors Asura, on n'aura pas le droit de manger cet œuf-là. Autant qu'on n'a pas le droit de manger la mère, parce que c'est partie intégrante de la mère. Qui dit vrai, Bet Shammai, telle est la vie de Bet Shammai, tandis que ou Bet Hillel, Osrin. Bet Hillel ne rentre pas dans cette distinction et nous disent dans tous les cas, tu as égorgé l'animal, tu as trouvé dedans un œuf, l'œuf est interdit à la consommation, même si l'œuf il était tellement bien formé que c'était une histoire de 10 minutes jusqu'à qu'elle aurait pondu. Si toutefois tu t'étais pas hâté de l'égorger, malgré tout, puisque la mère est asura, est interdite, l'œuf aussi, il est interdit, il prend le même statut que la mère. D'accord? Maintenant, la Mishnah continue en nous enseignant Umodim bebeitza treifa shehi asura mipenei shegedela beisur. Que ce soit Bet Shammai comme Bet Hillel, tous sont d'avis que beitza treifa, si c'est un animal si c'est un œuf d'une poule qui était treifa, qui était inapte à la consommation parce qu'elle était mourante. Et on va expliquer exactement c'est quoi. D'abord, je finis la phrase. Alors, Bet Shammai reconnaît à Bet Hillel que cette fois-ci, l'œuf est asura, elle est interdite. Mipene chez Gedela Beisur, car elle s'est développée chez une mère qui était interdite à la consommation. Soit, c'est quoi une trefa? Jusqu'à maintenant, on a parlé d'une nevela, celle qu'on a tuée sans égorger. Il y a par ça ce qu'on appelle Isur Taref. Le taref, en théorie, c'est quoi exactement par définition? C'est un animal qui n'est pas viable. Chachamim dans Maseret Roulin ont évoqué toutes sortes de tréfotes, de sortes de maladies qu'on trouve, s'il y a le poumon perforé, s'il y a le tzomet agidim, un endroit dans le genou, toutes sortes d'animaux. Le cerveau aussi, hein, on trouve là-bas, une fois qu'on égorge un animal, on commence à vider le cerveau, et puis on remarque qu'il y avait un trou dans la cervelle. Donc c'est un animal qui n'était pas viable. Il s'appelle tréfa, et on n'a pas le droit de le manger. D'accord? Alors maintenant, on revient sur notre poulet. Il faut savoir, si on a une poule qui est tréfa,
qui est inapte à manger. Imaginez qu'on a une poule, je sais pas moi, on lui a coupé un bout du pied de manière à ce qu'elle est devenue mourante. Et que malgré tout, elle réussit à pondre un œuf. Eh bien, on n'aura plus le droit de manger cet œuf. Pour quelle raison? Étant donné que Abba mina tahor, tahor, Abba mina tamé, tamé. L'œuf qui provient d'un animal tahor, que le je peux manger la poule mère, j'ai le droit de manger l'œuf. Si je n'ai pas le droit de manger la poule mère, un œuf d'autruche, l'autruche c'est pas cachère, alors l'œuf d'autruche il est pas cachère. Ouais. Sur le même principe, même une poule, si la poule elle n'est pas cachère, elle n'est pas cachéra. Pourquoi elle n'est pas cachéra? Parce qu'elle est très fa. On sait qu'elle a eu un trou dans le cerveau. D'accord? Donc tant bien que mal, elle réussit encore à vivre pendant 3, 4, 5 jours, et donc elle continue à pondre des œufs. Mais malgré tout, puisqu'elle est devenue maintenant mourante, elle est très forte, très fa, de ce fait, même les œufs qui vont sortir d'elle sont devenus impurs, et ça c'est même selon Bet Shammai. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est vrai que l'œuf aujourd'hui, tu trouves un œuf entier, mais il a été formé à partir d'une poule qui était Asura. De ce fait, si tu égorges, maintenant on revient sur notre Mishnah complètement, si tu égorges une poule de manière parfaite, aucun problème, tu l'égorges, elle est apparemment kéra, tu commences à lui ouvrir le ventre, tu trouves un œuf, tu dis bah c'est bien, on va même pouvoir manger un œuf, tu continues ensuite à lui vider la cervelle, à trouver qu'il y avait un trou dans le cerveau, donc elle était très fade, de ce fait tu n'auras plus le droit de manger l'œuf, parce que cette fois-ci l'œuf, mi penei, shegedela, beissour, car l'œuf a grandi de manière interdite, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, salam.